Je suis Valentin Ducrot, je suis guide animateur aux Grottes du Cerdon, situé donc pas très loin de Lyon, à une heure de Lyon, très proche du village de Nantua. Et nous avons derrière nous le porche de sortie des Grottes du Cerdon, qui sont des grottes géologiques qu'on peut venir visiter en famille toute l'année, enfin de début avril à début novembre. Et donc nous avons tout un parcours dans la grotte avec, vous allez voir, des concrétions, des stalagmites, des gourdes, des plans d'eau. Il y a beaucoup de choses à voir. Sur le dessus des grottes, on a un grand parc, d'activités, de loisirs préhistoriques, dans lequel on va apprendre à nos visiteurs à chasser comme les hommes préhistoriques. Donc on a des cibles dans un champ, on s'entraîne à tirer au propulseur, une vieille arme d'il y a 18 000 ans. On va apprendre à nos visiteurs à faire du feu avec des pierres, à faire du feu en frottant des morceaux de bois, à faire de la peinture préhistorique, de la parure, fabriquer des bijoux. Vous repartez avec vos bijoux, avec vos peintures. Et notre objectif avec ce parc, c'est non seulement que tout le monde passe un bon moment, que tout le monde s'amuse, mais aussi qu'on déconstruise toutes les idées reçues qu'on a tous sur les hommes préhistoriques, à savoir des petits hommes velus voûtés en avant, ce qui n'est pas du tout vrai, ce qui a complètement évolué avec les recherches de ces dernières années. Et on essaye au mieux de déconstruire ces idées reçues pour que tout le monde reparte avec une idée claire de qu'est-ce que c'est, comment étaient nos ancêtres, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils savaient faire. Et c'est l'occasion de passer une très bonne journée en famille, que ce soit pour les enfants, pour les ados ou même pour les adultes. Tout le monde trouve son compte.